Bon, voilà mon petit look du jour. Je suis habillée en all black. Voilà, donc j'ai mis un petit legging qui me va grand maintenant. Je suis trop contente. Un petit pull noir. Et là, je suis en train d'essayer mes nouveautés de chez Clara Rosa. Donc ça fait trop bien avec le look. Regardez-moi comment elles sont trop belles. Donc ça, c'est mes petites dernières. Allez, je vous les montre. J'adore. Regardez en fait, on a l'impression qu'on a mis les petites chaussettes et les petites bottes. Elles sont trop trop belles les filles. Voilà. Donc j'hésite entre celle-là avec mon look du jour et une autre paire. Je vais vous montrer. En tout cas, je vais être all black. Mais voilà. Parce que vous pensez, ces petites dernières sont sublimes. Et ensuite, j'ai cette paire, donc trop belle, que j'ai sélectionnée. Donc, ça fait un autre style. Regardez, donc j'hésite entre cette paire-là et l'autre paire pour mon look du jour. Regardez comment elles sont trop belles. Je vais vous les montrer de près. Sont-elles pas magnifiques? Et en fait, une fois que les lacets sont déjà faits, vous les serrez, vous les réglez comme vous voulez. Et après, vous ouvrez toujours par la fermeture qui est là. Donc, c'est vachement pratique. Et ça s'adapte à tout le monde parce que c'est à nous de serrer les lacets comme on veut. Voilà, elles sont trop belles. Vous voyez, elles montent un petit peu moins que le genou. Plus bas que le genou. Et voilà. Donc ça fait ça avec cette paire de look. J'aime trop aussi. Je trouve trop jolie. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par les chaussures Clara Rosa, sachez qu'en ce moment, il y a moins 20% avec mon code. Et surtout, il y a grave des paires, des nouveautés. Il y en a pour tout le monde. Donc vraiment, foncez, vous allez avoir des pépites pour les filles qui recherchent des cuissards pour cet été. Il y en a plein avec ou sans talons. Pour les filles qui cherchent des bottines à broc, il y en a plein aussi. Enfin voilà, des baskets, vous avez vraiment de tout. La température, il fait très froid. Ah. Donc là, je vais aller chercher du poulet à la boucherie. Voilà. On avait envie un petit peu de poulet rôti avec des pommes de terre. J'en ai commandé un à la boucherie. Là, en plus, c'est cool parce que je l'ai endormie avant de partir. Elle a fait sa petite sieste avant de manger. De toute façon, elle est avec son papa. Et voilà, et nous on avait trop envie de poulet, c'est le week-end, j'ai la flemme de faire à manger, je crois que ce soir s'il reste plus de poulet, mais voilà, on aime bien le week-end avoir notre poulet rôti, surtout à la boucherie, il est trop bon. Oui, je vais t'inscrire à... C'est quoi déjà ça? Non. Non, c'est quoi? La marche, attention à la marche. Parce que j'ai, il répond tous les midis. Des bonnes réponses. Voilà. Puis là, la madre qui est là, elle a entendu poulet, elle est venue. C'est pas bien. Et non. Bah, moi aussi, je viens pour le poulet. Et là, il y a Mimi. Voilà. Et là, Yalia. Coucou. Elle dit coucou tout le monde. C'est quoi attention à la marche? Mais c'était ça. C'était Jean-Luc Kachman, mais c'était autre chose. Mimi, tu veux aller dans le parc avec Alia? Il veut y aller. Tu surveilles Alia? Elle a fait clairement sa life. Mais clairement. Poser un sondage, combien de personnes, enfin est-ce qu'il y avait des personnes qui portaient des culottes pour règles, des culottes menstruelles? Il y a eu quand même 48%, et pour l'instant le sondage n'est pas terminé, mais 48% de personnes qui effectivement utilisaient des culottes menstruelles. Mais je suis choquée quand même que c'est pas plus de la moitié qui porte ces culottes là, parce que voilà, on est quand même en 2023 et je pense qu'à un moment donné il faut arrêter tout ce qui est tampons et serviettes. Je vous explique pourquoi.
qu'il faut savoir, c'est que les tampons et les serviettes, c'est très, très, très mauvais pour d'autres santé. C'est-à-dire que ça peut provoquer des chocs toxiques, tout ce qui est tampons. Ça peut provoquer aussi des infections du fait que le sang reste stagné comme ça. Et également, c'est pas écolo du tout. On va pas se mentir, on les jette, c'est pas écolo. Et aussi, on ne fait pas d'économie parce que tous les mois, c'est un budget d'acheter des tampons et des serviettes et ça, ça revient vraiment cher. Faites le calcul à peu près par mois, combien vous utilisez de tampons et de serviettes, donc combien vous dépensez et multipliez ça par 12, vous verrez à l'année combien ça vous fait. Et franchement, je trouve ça cher à force, ça fait un bon billet. À cause de tout ça, que moi ça fait maintenant 5 ans que je ne porte plus de tampons et de serviettes, mais que je porte donc ces fameuses culottes menstruelles, donc qui sont juste incroyables. Pour ma part, donc ça fait 5 ans que j'ai pas changé de marque, j'utilise toujours la même marque qui est Blinks parce que je trouve la qualité de leurs culottes menstruelles est clairement très très bien. Surtout, ils font des tailles pour tout le monde et également il y a plusieurs modèles. Donc si vous avez l'habitude de porter des strings, vous voulez porter plus des culottes ou des boxers, chez Blinks avec des culottes menstruelles, c'est possible et c'est ça qui est vraiment cool. On garde notre féminité, on est à l'aise même pendant nos périodes de règles qui sont vraiment inconfortables. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais moi j'ai des règles plutôt abondantes et donc j'ai peur qu'avec des culottes, il y ait des fuites. Et moi je vais vous répondre que non. Tout simplement, ces culottes, donc tous les modèles de chez Blinks ont été conçus avec 3 couches d'épaisseur à l'intérieur, donc pour éviter tout ce qui est fuite. Je vais vous montrer comment ça absorbe, vous allez voir que ça absorbe vachement bien. Et quand vous portez une culotte, vous avez entre 6 à 8 heures de protection par jour. Sachant que quand vous commandez une culotte, c'est par l'eau de 3 que vous en recevez. Donc vous avez de quoi changer de culotte une fois que la culotte est pleine. Donc comme tout à l'heure je vous disais, avec des tampons et serviettes, ça, on ne fait pas d'économie. Avec Blinks on en fait parce qu'une culotte on l'achète et elle est valable au moins pour 5 ans vu qu'on la lave en machine à laver. C'est beaucoup plus écolo et avec les culottes Blinks, tout simplement, on ne risque pas d'avoir ni d'infection ni d'avoir de choc toxique. Donc, on préserve notre santé. Alors regardez, j'ai ces modèles-là de culottes. Donc, j'ai plusieurs couleurs aussi. J'ai couleur chair et tout. Et regardez en fait la qualité de la culotte. Comment elle est géniale. J'adore le tissu. Ça permet à ce que quand on met des pantalons et tout, on ne voit pas la marque de la culotte. Donc, c'est trop, trop bien. Et regardez, les 3 couches épaisseurs sont vachement très discrètes. Donc, j'ai ce modèle-là. Donc, ça reste très, très, très féminin, même en période de règles. J'ai ceux-là. Donc, ça, c'est classique. Ça, c'était mes premières culottes Blinks. Donc, mes premiers modèles. Voilà. Donc, pour vous dire, ça fait 5 ans, celle-là, que je l'ai. Regardez, la dentelle n'a pas bougé. Voilà. Et moi, la nuit, je suis plutôt à porter des culottes hautes quand j'ai mes règles. J'adore. Et pas que quand j'ai mes règles. Voilà, parce que je me sens tellement bien dans ces culottes hautes, les filles. Si vous saviez, pendant que j'étais enceinte, je portais que ça. Après mon accouchement, je portais que ça parce que j'ai saigné pendant très longtemps après l'accouchement, donc le postpartum. Je portais que des culottes menstruelles comme ça de chez Blinks. Et je porte que ces culottes-là. Donc, je vous fais un test. J'ai mis un mouchoir donc sec en dessous la culotte. Donc là, j'ai de l'eau. L'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus liquide que le sang. Et regardez comment ça va l'absorber. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de fuite du tout. Regardez, j'en ai une tonne. Regardez. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais c'est en train de l'absorber. Regardez comment ça absorbe. Voilà. Donc là, c'est rentré dans la culotte, vous voyez. Il n'y a plus de goutte, plus rien. Maintenant, on enlève la culotte. Et regardez, le mouchoir est sec. Donc, pour vous dire que il n'y a pas de fuite. Regardez. J'ai enfin reçu le petit miroir d'Alia. Il n'est pas neuf. Donc là, je viens de le laver. Mais... ici à la maison d'hiver, on est trop fan de Sweet Pleat. Donc Sweet Pleat, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la référence numéro 1 du pull géant en France et qui nous donne chaud tout l'hiver. Donc plus besoin de plaid, vous voyez les énormes plaids où on se bat pour avoir la petite couette.
plus besoin de s'enrouler dans quelque chose en espérant qu'on ait chaud. Non, ce pull-là vous suffira. Tout simplement, il est juste incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur. Tout est molletonné. Regardez, hop. Et regardez la qualité du pull. On est trop, trop, trop bien dedans. Donc, on est bien. C'est large. On a des poches, vous voyez, pour avoir les mains au chaud. On a une capuche aussi pour avoir la tête au chaud. Et la capuche, pareil, est molletonnée. Enfin bref, ce pull, il vous le faut. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que ce pull géant est unisexe. Donc, tout le monde peut le porter. Bien évidemment, j'ai par exemple, lui, il n'a pas celui avec des motifs licorne, mais il y a 5 couleurs unies sans motif sur le site. Donc, c'est à vous de choisir. Mais en plus, vous avez aussi des sweet plaids avec des motifs. Donc là, moi, vous voyez, j'ai licorne. Sinon, vous avez des sweet plaids nuages, vous avez vaches. Il y en a plusieurs sur le site. C'est vraiment à vous de choisir. Aussi, c'est adapté pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. Donc, c'est ça qui est vraiment bien. Toute la famille peut être au chaud grâce à Sweet Plaid. Aussi, je trouve que c'est un cadeau super bien à faire à ses amis, à sa famille. Vous voyez, par exemple, à vos grands-parents, pour pas qu'ils n'attrapent froid l'hiver. On peut le porter comme ça à la maison et on est trop à l'aise. En plus, ce qui est génial, c'est que Sweet Plaid envoie leur livraison hyper rapidement. Nous, on les a commandés, on les a reçus très rapidement. Donc, on était prêts pour l'hiver. Et ce qui est super aussi, c'est que Sweet Plaid fête ses 5 ans maintenant. Donc, c'est énorme. Ça fait 5 ans qu'ils sont sur le marché. Et un conseil, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons où la qualité ne va pas être bonne. Ou si vous allez le laver, bah, ça va être endommagé. Vous n'allez pas avoir chaud comme ça parce que vous n'allez pas avoir la matière où tout est molletonné à l'intérieur. Donc, faites très attention. Les seules personnes qui font du réel Sweet Plaid comme ceci, eh ben, c'est eux. Voilà, donc c'est Sweet Plaid, ça c'est vraiment la marque officielle. En tout cas, si vous êtes intéressé par Sweet Plaid, je vais vous donner un code promo et c'est le moment de moins 35% pendant les 48 heures là qui arrivent. Donc dépêchez-vous, franchement ça vaut le coup. En plus de ça, il existe des packs sur le site Sweet Plaid. Si par exemple vous êtes 4 à la maison, vous pouvez prendre le pack de 4 directement qui vous reviendra moins cher que si vous prenez 4 Sweet Plaid sans prendre le pack par exemple. Donc franchement foncez, ils ont pensé à tout le monde. Regarde, tu sais que je l'ai fait, mais regarde, c'est bon. Ha ha ha!
un petit déjeuner, premier petit déjeuner en Grèce. C'est bien ici, hein. C'est magnifique, on déjeune au bord de l'eau, la mer. C'est trop trop beau. Trop content d'être là. Regarde chérie, cette vue. Cette vue incroyable. Et en plus de ça, on peut féliciter quand même Alia, j'ai l'impression qu'elle dort vachement bien en Grèce. Parce que, alors, le vol s'est très bien passé, elle a été impeccable. Et en plus de ça, mon bébé, elle dort bien. Elle s'est réveillée à 9h. Elle dort très très bien en Grèce. Je crois qu'on va rester plus longtemps en fait. Merci chérie pour cette belle surprise. Merci à toi. Oui. Non mais vraiment. Regardez comment c'est trop beau. Alors, t'es content d'être là? C'est comme t'avais prévu? Trop content d'être là. C'est imprévisible en fait comme situation. On se retrouve en Grèce avec une petite de 5 mois. C'est ça. La responsabilité. Les premières vacances. Mais pour l'instant ça s'est bien passé. Franchement pour l'instant impeccable. Trop gentil. Mais voyez, l'hôtel qu'il a choisi pour la surprise, c'est juste sublime. Sublime. Merci mon amour, je t'aime. Ouais, on va kiffer, on va faire. Bah, on va voir. Peut-être petite première baignade pour Alia, qui sait. Vu que c'est des premières fois pour toutes. Donc la première petite plage. Je me dis bien. Bon. Le soleil est un petit peu caché, mais tant mieux pour la petite, bon, il ne fait pas très chaud. Donc là, on est dans les petites ruelles de Mykonos, le premier soir, et on cherche une tenue traditionnelle pour Alia. Là, regardez, il y a plein de tenues pour les petites. Il y a beaucoup de vent. Hein. Franchement, chérie, tu devais me faire rêver avec le temps. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
Dernier petit repas en Grèce, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que Alia, elle est avec nous. Elle dort. On en profite tous les deux. Au bord de la mer. Il ne faut pas s'oublier. Voilà, on est des parents, mais on a un couple à vivre. Donc on vit tous les deux au bord de l'eau, même s'il y a bébé, elle dort. En tout cas, on a passé un séjour de rêve. C'était trop, 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 trop. Et c'est pas le dernier. Voilà.